Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Bombad Media now là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pral invite au suivre cérémonie installation nouveau ministre justice et sécurité publique là, Rockefeller Vincent qui remplace Maître Luc Mandelil qui j'en ai vocation dans mes président Jovenel après groupe G9 prend la rue avec gros amlou dans Port-au-Prince. Et nous voulons faire connaître ministre commerce et industrie Jonas Kofi présenter un ensemble disposition pour diminuer prix produits dans tout pays là. Ces informations ça va nous porter pour si c'est première fois visiter nos informations nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là et bien nous pas perdre du temps n'a pas commencé cool yeah. C'est le moment de faire des adieux au ministère de Justice et Sécurité publique. Avant de m'en aller, il va nous faire l'occasion de remercier tous celles et tous ceux qui m'ont rejoint lors de mon passage à ce ministère pour l'aider de l'État. C'est pour ça. Les remerciements s'adressent tout d'abord au président de la République. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et le Premier ministre, les amis, qui ont été en train de six jours, avec jeudi l'heure évoluée sur ma personne. Mais le silence s'adresse aussi à la messe ANSE, les collaborateurs, les employés du ministère de la Justice et la population qui, dans son ensemble, avait compris le déroulé de la lutte et qui avait envie de placer les institutions de l'insécurité hors d'état de nuire et permettre, par voie de conséquence, aux citoyens et aux citoyennes honnêtes de vivre dans leur pays seul en toute quiétude. J'étais bien heureux d'avoir eu la chance de servir mon pays avec conviction, un pays qui a beaucoup investi en moi. Je pardonne ce matin, le cœur léger, la conscience tranquille, les mains propres et la bouche saine. Je félicite les magistrats, collègues et amis, mais aussi la personne qui, dans ce matin, prend le relais du ministère de la Justice et de la Sécurité. Je lui demande à tous les employés de l'école de l'ouvrir toute la collaboration nécessaire afin qu'ils puissent accomplir les routes des tâches à lui confier par l'État. Comme je le faisais dans le passé récent, je reconnais ma tâche d'avocat pour continuer à assurer la défense de la veuve et de mon collègue, tout en restant bien sûr à l'exemple de la République. Que Dieu veille sur Haïti. Je suis amicalement remercié l'importance de cette haute fonction du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Une fonction drapée de noblesse, de majesté, qui doit être considérée et comprise constamment à cette dimension qui est la sienne. Cette tâche aussi prestigieuse que l'autre rentre dans la ligne de carrière que je me suis fixée depuis que j'ai intégré l'appareil tiers de mon pays à l'âge de 21 ans. Comme greffier au tribunal civil du Cap-Haïtien, cette première responsabilité citoyenne m'a conduit à la tête de ce grand ministère régalien, en passant successivement par les fonctions de doyen du tribunal de première instance de Fort-Liberté, de commissaire du gouvernement près le TPI
du Cap-Haïtien, de substitut du commissaire du gouvernement près la cour d'appel du Cap-Haïtien, de commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince et de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. Ce modeste parcours qui a occupé toute ma vie témoigne de mon attachement, de mon affection et de mon allégeance à la justice de mon pays. Cette justice que je chéris, que je connais et qui m'a vu grandir. Je connais ses déboires, je connais ses faiblesses, je connais ses limites. Mais je connais également ses forces, son sens et son utilité dans la perpétuation de l'état de droit dans le pays. Je viens donc pour m'assurer que les valeurs qui caractérisent la justice puissent être priorisées au détriment des dérives et des déviances qui tuent la nation. Mon entrée dans le gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, M. Joseph Jout, réalise aujourd'hui mon désir, ma décision de m'associer à un homme courageux, à la personne du président de la République, qui m'a instruit dans sa feuille de route de lancer les grands chantiers de la justice. À un moment particulier de la vie de la nation, où les fondements existentiels de la République se trouvent fissurés et gravement menacés, et où l'inquiétude, la peur et l'incertitude prennent d'assaut la paix de la cité par cette vague de sécurité chronique, trop souvent planifiée et orientée, je prends charge du ministère de la justice et de la sécurité publique avec la ferme résolution de servir mon pays, avec cet engouement pressant de contribuer et surtout avec ce sens du devoir civique qui doit caractériser tout citoyen authentique. Les chantiers dictés par mes supérieurs hiérarchiques seront très vite lancés. Il s'agira de la participation active du ministère dans la résolution pacifique et définitive de la crise qui secoue l'institution policière. Je serai, sur ce point, un ministre du dialogue franc qui écoutera chaque inquiétude et qui tentera concrètement de rassurer chaque policier et policière, étant convaincu du patriotisme de ces braves et dignes serviteurs de la nation. J'ai la certitude que ce comportement aidera à renforcer la détermination et à procurer l'énergie nécessaire aux policiers et policières dans la poursuite et l'éradication des gangs armés qui sèment le deuil dans notre société. En deuxième lieu, la problématique de la sécurité foncière qui, à ce rythme d'évolution, peut aboutir à une situation regrettable de vengeance privée, sera abordée avec diligence. Des assises nationales sur le cadastre seront convoquées dans la perspective de solutions durables. Par contre, pour gérer le conjoncturel et l'urgent, il s'avère nécessaire de renforcer la compétence du parquet dans la délivrance de l'exéquature et de veiller au grain à ce que chaque décision de justice sur cette matière et bénéficier de traitement procédural approprié, sans faubris, sans tromperie, sans souffler à. En troisième lieu, il s'avère tout aussi urgent d'entreprendre une autre approche sur la question des droits de l'homme en Haïti, en vue de respecter nos obligations conventionnelles. Sur ce point, un signal retentissant sera donné dans la question cruciale de la détention préventive prolongée. J'instruis dès aujourd'hui tous les commissaires du gouvernement, en particulier celui de la juridiction de Port-au-Prince, de créer urgemment une unité contre la détention préventive prolongée qui se chargera
de traiter exclusivement de ce problème qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la dignité humaine. Ce mal a trop duré et nous devons nous en débarrasser définitivement. Enfin, le président de la République veut que chaque nouveau-né, chaque enfant d'Haïti puisse détenir un certificat de naissance. Une vaste consultation sera mise en branle pour aborder la question de l'état civil en Haïti. J'ai sur ce point une pensée très spéciale pour nos vaillants officiers d'état civil du pays qui méritent une meilleure prise en charge. Je connais vos attentes. Nous allons travailler ensemble pour alléger les soucis. À mes amis parquetiers, je me garde de parler de ce qui doit être envisagé pour vous. Je suis et je reste un des vôtres. Je porte en moi vos douleurs, vos attentes et vos appréhensions. Le parquetier que je suis va se mettre disponible pour vous et abordera avec vous les solutions viables à apporter à votre condition qui me tient à cœur. Je serai le ministre qui luttera contre les disparités de traitement entre les différents magistrats. Je m'en voudrais de terminer sans adresser une pensée affectueuse et particulière à mes anciens collaborateurs et collaboratrices de l'ULCC, en particulier les enquêteurs qui sont constamment motivés et disponibles pour la cause de leur pays, la nation, leurs droits, une fière chandelle. La nation, leurs droits, une fière chandelle. À tous les cadres et employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, j'attends de vous une collaboration active pour le bon fonctionnement de l'institution. Je serai toujours à l'écoute. Unissez-vous à moi et mettons-nous au travail. Que Dieu bénisse Haïti et que la justice et la sécurité règnent sur notre sol. La presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, jeudi. Vous me dites, nous, rencontre ça, les pral développer autour de nos priorités parmi toutes les priorités qui définit dans liste action ministère. Jeudi, priorité jeudi, c'est programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse Papège que nous toutes nous connaissons là déjà et projet ça qui c'est un projet de très grande importance capable dit de un relevé de très grande importance pour le président de la République là. Et c'est un programme qui conçu et qui initié par le président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, et qui a continué implémenter sous direction. Le programme ça, il est mis en œuvre là, et c'est à travers mise en œuvre là, que moi compter parler ensemble avec nous. Recrutement continue fait pour 1000 entreprises dans le programme ça. Après financement en novembre 2019, que nous toutes là nous songeons, premier cohorte programme d'appui à l'entrepreneuriat Papège là. Président est lancé en janvier 2020. Un concours de plan d'affaires. Et concours plan d'affaires ça qui t'apprend à recruter 1000 entreprises. Et nous capable dit pour être capable de répondre avec demande jeunes à travers tout le pays.
L'équipe Papège là, en commun accord avec le Delivery Unit, je te prends toute disposition afin que vous rende effectif concours ça. Accès pour te jouer un financement pour ça te fait dans le mois de juin qui s'est passé là. Licence est retardée, nous tous nous connaissons, en raison de l'avènement pandémie coronavirus là. D'un côté, le gouvernement dans son ensemble a géré pandémie coronavirus et de l'autre côté, il y a l'autre action et l'autre activité qui a fait. C'est raison ça, nous venons là aujourd'hui. Côté que Genio, yo répond appel président nan question programme Papège là. Programme Papège là, li pa chômé. J'aime ça dire. Ou gon ensemble activités qui déjà réalisé et nous au courant. Ça qui était fait en janvier et n'a planifié pour première quinzaine mois d'août qui va venir là pour remise chèque et qui va le financer 1000 nouvelles entreprises à yo ou pour gagner 1000 nouveaux investisseurs, 1000 nouveaux jeunes à travers le pays et qui pral vini et des nouveaux investisseurs, j'en dis, et qui pral créer des nouvelles entreprises. Et permettez-moi, pour me dire, nous, dans tout travail qui fait, yo, nous rédiger un canevas de un plan d'affaires pour nous capables uniformiser plan d'affaires pour postulant. Dans tout plan d'affaires, il faut gagner une seule forme. C'est ça qui fait nous créer canvas pour vous. Et montage un spot publicitaire pour sensibiliser jeunes dans tous 10 départements et pour yo capable vinn participer dans concours ça. Nous créer un site internet qui c'est www.papège.ht. Connait là si vous râlez en doidou et vous fait www.papège.ht et vous va louer toutes données là-dedans. Et moun sa yo postulant yo monté sous site là, yo voyé plan d'affaires yo, gen d'autres qui déposé ici à nan ministère et gagné à travers l'autre direction départementale ministère commerce yo déposé là dans yo tout. Et les fin rempli canva et yon retourne sous yon email qui c'est info@papège.ht. Nous mettez à disposition postulant yon canva, j'aime ce deal, canva plan d'affaires via site internet là et sous tout réseau sociaux. 15 avril qui se passe là, c'était date limite. Nous te gagné pour nous te recevoir plan d'affaires. Papège recevoir nous capable dit 2554 plan d'affaires
Et à partir du 15 avril, au 30 mai, ministère ici a recevoir 1311 plans d'affaires additionnels. Ça fait un total de 3865 dossiers. Et il faut me signaler nous que pour gain accès à un plus grand nombre de postulants, le ministère est obligé d'allonger la date limite dépôt candidature. Bon concours intracommunal afin que vous assurez que toute commune vous représente. Gain présélection qui fait, nous capable dire par département. Si nous prenons le département de la Tibonite, nous recevons 590 projets et nous pré-sélectionnons 225 de 590 là. Département du Centre, nous recevons 315 projets. Présélectionnés, nous étions à 120. L'Ouest, où il y a 890 projets, 455 présélectionnés. NIP, 245, 125 présélectionnés. Sud-Est, 170, 95 présélectionnés. Sud, 360, 157 présélectionnés. Grand-Anse, 333, 185 présélectionnés. Nord, 455, 215 présélectionnés. Nord-Est, 255, 109 présélectionnés. Enfin, Nord-Ouest, 252, 100 présélectionnés. Ça fait un total de 3865 projets reçus et 1786 présélectionnés. Et nous sommes capables de nous livrer pratiquement deux étapes pour finaliser le concours. C'est interview avec présélectionné. N'attend étape ça semaine prochaine. Et liste admis dans le programme. Non. Voilà donc, nous capables de dire, c'est exposé de tout ça, nous te gagnons pour nous dire dans l'intervention aujourd'hui. Merci. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable jouer nous. Son babis à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.